On dirait une bataille. Lui qui fit une collab 10 ans plus tard. On a pas fait une collab. Tu vas trop être là parce que pareil. Et les lunettes. Et ta chambre. Et les cheveux bouclés. Et la chambre, genre sur le dessus ou pas. Nous sommes jeudi 25 mai et j'ai l'impression que c'est le premier jour du printemps, de l'été, ou je sais pas, il fait beau. L'appart est lumineux, donc ça va forcément être une bonne journée. J'ai été chez le coiffeur hier, on a bien coupé pour être tranquille un bon moment. Je revis, voilà. Rien que le fait que l'appart soit full rayon de soleil comme ça, ça me rend tellement heureuse. Et il y a même des rayons de soleil dans ma chambre qui normalement n'en a jamais. Regardez! J'ai ressorti une de mes robes préférées de l'année dernière. Vous m'avez vu avec sur Insta, mais 45 fois. Oh oui! J'ai reçu ce produit de chez Caudalie. C'est une huile de soin. Ça sent trop bon. Huile d'argan, figue, karité. Il y avait déjà un plan de moi qui faisait les courses dans le vlog dernier. Je fais pas que ça, hein. Je fais l'erreur de faire des mini-courses à chaque fois. En même temps, vu les prix de mon Franprix, il vaut mieux pas faire les grandes courses. Le petit programme d'aujourd'hui est très cool. Là, je vais aller bosser. Il faut bien que je bosse là, que je sois très productive. J'ai plein de trucs à faire. Du coup, je vais aller me poser dans mon petit café préféré. Un petit matcha. Toujours mi-travail, mi-kiff. C'est la recette du bonheur. À 14h, je vais passer à un événement, un petit pop-up de la marque Poem. Puis à 15h, j'ai rendez-vous chez Estée pour ma troisième, je crois. Ouais, troisième séance de laser pour le maillot. Yes. En plus, j'ai mes règles aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis cette robe aussi. C'est parfait. Bien large au niveau du bidou. Et ensuite, je rebosse. Et ensuite, je vois ma petite Claire. On va aller se boire une bière en terrasse. Ça va être très chouette. Et voilà. Je vous pose là pendant que je déjeune mes petits sushis. Tout à l'heure, j'ai organisé toutes les prochaines collaborations. J'avais oublié que le mois de juin, toutes les marques veulent organiser des collabs au mois de juin avant l'été où ça se calme beaucoup plus. Donc là, je suis en train de voir un petit peu les prochaines collabs sur Insta et sur YouTube. Je pense faire une petite collab très cool durant le mois de juin. Et j'ai déjà hâte des prochains vlogs. J'ai un peu organisé, etc. Je pars dans une semaine et demie. À New York, je sais pas si je vous l'avais dit par ici. C'est une semaine de vacances qui est prévue depuis 2 ans, je crois. Je pars avec ma maman à New York, je l'emmène. Et je sais déjà que ça va être une semaine de fou avec des souvenirs dingos. Et je m'étais dit, pendant cette semaine, je vlogue pas, j'essaie d'être le moins sur mon tel et tout. Et en fait, j'ai trop envie de ramener des souvenirs de là-bas. Du coup, je pense que je vais faire un petit vlog, mais un peu guide, où je ferai une voix off par-dessus parce que je veux pas vloguer, tu sais, parler et tout. Avec ma mère à côté, mais voilà, j'essaierai de faire des petites images. En plus, c'est la première fois que j'y vais en été. Je connais cette ville que soit sous la neige, soit sous ressenti moins 15, soit sous la pluie. Et donc là, de voir du ciel bleu à New York, ça va être une expérience. J'y suis pas retournée depuis mon expérience Covid. J'avais attrapé le Covid, vous vous rappelez? Et ensuite, tout au long du mois de juin, il y a des petits trucs par-ci par-là qui sont très très cool. Donc je pense qu'il y aura matière à faire des vlogs sympas. Je suis contente. Sachez que c'est surtout ce soleil, moi, qui me rend très très heureuse. Sur les quais tout à l'heure, là, j'ai vu la différence, hein. Tout le monde est en train de courir sur sa pause déj.
Mais vous êtes chez où cet hiver, les amis? Mais j'étais un peu jalouse parce que là, la deuxième jour de règle, autant vous dire que je ne peux pas courir. Ce n'est pas possible. Faut que j'attende un peu. J'irai en fin de semaine rattraper mes 3 séances que je suis censée faire là, sachant qu'on est déjà jeudi. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. J'ai reçu des petits DM par rapport à mes problèmes d'infection urinaire. On est ensemble dans ce combat. Je vais continuer mes petits tests et je vous tiendrai au courant. Aujourd'hui, nous allons à Roland-Garros. Et j'ai mis la tenue adéquate. A pris un tournant angoissant à cause de couscous. En gros, bah, dimanche soir, tout allait bien, Roland Garros, machin, c'était magique, franchement, j'ai trop aimé l'ambiance et tout. Et le lendemain matin, je me réveille, couscous, je le connais par cœur, et je vois qu'il est malade. Je vois direct qu'il a une infection urinaire. Il a vu le veto lundi, il a vu le veto cette nuit en urgence, parce que ça passait pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit trou dans le contenu. Là, ça m'a fait du bien d'en parler un peu sur Insta. De parler d'infection urinaire, de calcul, d'alimentation de chat. Donc là, mercredi après-midi, j'ai filmé plein de trucs pour Insta, mais en gros, la nuit dernière, du coup, j'ai dormi 3 heures, vu que j'étais aux urgences veto. Et ce soir, j'ai entraînement avec Nike. C'est un test de VMA. Je vais faire ce que je peux. Je sais que je suis capable d'aller chercher des forces un peu cachées, quelque part. Là, je viens de manger une petite banane. On est prêt. Le test fait 6 minutes, 3 à 7 minutes, c'est en fonction du niveau. On fait un test qui s'appelle le semi-cooper et qui mesure du coup le temps de maintien à VMA. Sur un 10 km, vous courez généralement à 90% de votre VMA. Donc ça permet en fait à l'entraînement après de déterminer des zones, de déterminer aussi l'allure que vous devez avoir quand vous devez être en endurance fondamentale, donc dans les runs de chill. Ça permet voilà, d'essayer de calibrer, de personnaliser votre entraînement. Première étape, la liste échauffement. On est arrivé à Auteuil. Et là, on va se faire 10 minutes tranquille. Oh là, non, c'est pas tout le monde. Yes, c'est pas tout le monde, franchement. Mmh.
Je suis très bonne humeur aujourd'hui pour deux raisons. J'ai dormi plus de 4 heures. Et deuxième raison, couscous va un peu mieux. Donc c'est une bonne journée qui commence. Ça va être une journée qui va passer très vite. Parce que là, j'ai un rendez-vous en visio avec un mec qui va m'aider à gérer mon argent. Investir et tout, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Si quelqu'un peut le faire pour moi, enfin du moins m'aider à le faire et me donner des solutions et tout, c'est super. J'ai bien 2 heures de travail sur un réel que je dois monter, machin, truc bidule. Et ensuite, je vais commencer à préparer ma valise pour New York vu que c'est dans 2 jours. Je vais m'en débarrasser maintenant et je vais vous montrer un peu ce que j'embarque. Je me dis que ça peut être cool, ça change un peu. Il va faire 27 aujourd'hui, du coup j'avais envie de sortir ce nouveau petit haut que j'adore, la couleur je la trouve trop belle. Et le détail là, c'est totalement ouvert, j'aime trop. Il vient de chez Néné Paris, vous savez c'est la marque de mon petit pyjama. Et bon là je l'ai mis avec un soutif, mais avec un maillot cet été ce sera trop beau. Bonjour, merci beaucoup. Pour ce midi j'ai commandé Lazy Brunch encore. Nous avons un grilled cheese veggie et un banana bread. C'est l'heure de commencer les baloches. Le projet, c'est que ma mère et moi, on a une valise en soute pour nous deux. Ça va être cette grosse valise énorme. Plus cette nouvelle bébé valise qui est trop mignonne. Elle vient de chez Lipo. Oh, la couleur, c'est matcha. Et on va se partager aussi cette valise Camille. Comme ça, on partage tout. Et je suis pas sûre de ça par contre en fait. Ça me paraît un peu juste. Je m'emballe complètement. Comme de valise cabine. Ce qui me chiffonne, c'est qu'en termes de météo, ça ne fait que changer. Je pense qu'il fera au-dessus de 20. Mais potentiellement, on peut avoir de la pluie, du soleil, du temps gris. Bon, va bien falloir commencer quelque part de toute façon. En termes de chaussures, la vibe, c'est chaussures pour marcher des kilomètres sans avoir mal aux pieds. Mes petites Salomon, comme ça, qui sont méga confortables et faites pour marcher. Mes Motiva de chez Nike, qui sont des chaussures faites pour courir, pour marcher. Et je me dis que comme ça, si je veux courir un peu à New York, bah je pourrais mettre celle-là, mais en même temps, elles me serviront pour la journée. Une paire un peu plus lifestyle, c'est les Converse pour mettre avec les petites robes. Que je compte pas prendre de sandales. J'ai fini de sortir tous les vêtements. Je vais vous montrer quelques pièces que j'aime bien porter en ce moment. Accessoire, cette banane qui ne paye pas de mine, mais qui est extrêmement pratique. Elle existe en plein de couleurs, hyper logeable, parfait. Toujours un tote bag, je pars nulle part sans mon tote bag. Et je me suis dit que c'était l'occasion de sortir cette beauté. Change un peu de ce que j'ai l'habitude de porter. Il vient de chez Sandro. Cette robe, je l'adore. C'est une robe naked. Très campagne, je l'adore. Je me suis dit, pourquoi pas un samedi à Brooklyn, lunettes de soleil. C'est une robe de plage, hein, clairement. J'ai reçu cette chemise aussi de chez Sandro. Et je sais pas pourquoi, mais elle m'inspirait. Et en fait, je m'y vois avec un jean ou un short, comme ça. Tac. Ouverte, avec un débardeur, comme ça. Vous voyez ? Vous me voyez avec tous les jours. Ce sont les débardeurs Uniqlo, avec le soutif intégré à l'intérieur. Bah, je les mets vraiment tous les jours, en fait. Depuis que je les ai découverts, je me prends plus le chou de savoir comment je veux m'habiller. Je mets ça, et puis je suis habillée. Un t-shirt blanc, petit, hein, petit top. Mais qui est assorti au blazer. Et je me dis que pour notre petite soirée jazz, pourrait être cool. Ma veste en jean adorée que j'ai depuis 6 ans. Un t-shirt Balzac coloré. Une jupette. Peut-être que je prends beaucoup trop de vêtements, j'en sais rien. Un nouveau pants Uniqlo, gris comme ça. Un basique. Parfait. J'ai ma tenue d'avion. 2 paires de chaussettes. C'est pour l'avion. T-shirt gris, un legging Nike que je porte tout le temps. Big Sweet parce qu'il fait toujours gelé dans l'avion. Un masque de nuit. Une tenue de running avec des chaussettes. C'est bon ? Fini ! Toi, j'ai envie de te prendre avec, hein.